On est dans Psachim, Pe Aleph, on attaque à la Mishnah. Achal veshatin behelem echad. Il a mangé et il a bu dans le même oubli. Et no chayav ela chatat achat. Bien qu'on a appris que ce sont deux mesures différentes, la nourriture et la boisson sont deux mesures différentes, bechol ofen, on amène un seul korban. Et pourquoi? Parce qu'on apprend du même passage. Comme c'est ni la nourriture ni la boisson est écrite de façon mefourèche, elle apprend du mot inouï. Comme ça vient du même pasouk, alors à ce moment-là, inachenami, on amène un seul korban, on considère ça comme une seule faute. Achal ve'asa melacha. Mais s'il a mangé, il a fait des melachot de Yom Kippour, chayav shtei chataot, parce que les melachot et l'interdiction de manger sont deux issourim différents. Achal ochalim she'enam ruim la'achila. Il a mangé des choses qui sont immangeables, comme on verra plus tard dans la Gemara. Ve'shata mashkim she'enam ruim la'achila, ou des boissons qui sont imbuvables. Veshata tsir ou mourias, ou qu'il a bu du jus de poisson, de la graisse de jus de poisson, ou de mourias, ou de, c'est une forme de, avec un petit peu de farine, comme ça, qui semblerait-il, est difficilement mangeable. À ce moment-là, il est pas tôt, parce qu'on a besoin d'une achila normale, pas une achila bayatite. Marich Lakish. Ibne Malon et Amra Azara Be'inou. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de pasouk qui nous dit, mais fourrache, d'abord l'interdiction de Inouï, et après la punition. Parce qu'on a toujours une habitude qu'on ne peut être ma'anish que si on est mazhir. Donc il faut d'abord un pasouk qui donne une azara pour avoir un pasouk de Inouï. Alors comment ça se fait que en azara b'inouï, mishum de lo efshar? Réponse parce que c'est difficile à l'écrire. Comment on va écrire l'azara? Comment on va écrire le pasouk qui va nous apprendre l'azara? Echen nirtov. Nirtov rachamana lo yochal. Si la Torah l'aurait écrit meforeshet ne mange pas, c'est lo yochal. On a un klal qu'on a déjà appelé auparavant, que la achila, de façon générale, quand il y a marqué dans la Torah lo yochal, c'est bekazait. Pourquoi on a dit que dans Yom Kippour c'est bakakotevet? Parce que justement le pasouk il a changé son langage. Au lieu de dire lo yochal, il a dû veinitem. Donc le fait de changer de langage, ça nous a appris que les mesures peuvent être différentes. Donc si j'aurais marqué lo yochal, alors j'aurais dit achila bekazait, et c'est pas possible pour Yom Kippour, l'achila c'est pas bekazait. Mais nirtov rachamana lo teune. Alors, est-ce que tu vas me dire que la Torah aurait dû marquer, par exemple, le pasouk lo teune, kum echol, echol mashma. Quand je dis lo teune, ne souffre pas. Ne souffre pas. Qu'est-ce que j'aurais compris? Au contraire. Donc, va manger. Pour ne pas souffrir, va manger. Donc, echol mashma. C'est pas possible. On peut pas manger à Yom Kippour. À cause de ces raisons-là, kaviachol, agmar, elle veut dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pasouk, mais fourrage qui parle de hazara. Néanmoins, on apprendra plus tard, à cause d'un ekesh, à cause de différents entre les moudim, on fera rentrer une azara dans le inoum. Mais pourquoi il n'y a pas marqué une azara? Mais faut rechercher parce que techniquement c'est difficile. Matkif le rabbi Oshaya, yichtov rachamana ishamer, pen lo teune. T'avais qu'à écrire, garde-toi, pen lo teune, de peur que lo teune, qui sont beder klal, un interdit, donc qui représente ici une azara possible, imken nifiché le oulav. Si tu rajoutais le mot ishamer de pen, tu n'aurais pas fait qu'il y a un seul lave, tu aurais fait qu'il y a deux ou trois lavim en même temps. Il y a le loteune, il y a pen, il y a ishamer, ça nous fait trois lavim pour un interdit. Alors, c'est pas possible qu'il y a un seul lave en question. Matkif le ravi bi barabaye, yichtov rachamana ishamer be mitzvah ta'inu. Tu aurais pu écrire le mot ishamer, et ishamer, c'est un langage aussi de lave, un langage d'interdit, comme on voit ishamer minegat sarat, qu'on n'a pas le droit d'enlever la negat sarat. Donc on peut dire peut-être que ishamer be mitzvot ainui, ça va rentrer dans l'azara. Imken, ishamer de lav, lav. Ishamer de assez, assez. Et on a un klal. On peut pas dire comme ça, parce que quand il y a marqué un ishamer be mitzvot ainui, c'est marqué be mitzvot ainui dans le mitzvot assez de ainui. Or si le ishamer est écrit à côté de mitzvot assez de ainui, alors à ce moment-là ça devient une mitzvot assez. Si le ishamer est écrit à côté à l'autre assez, alors à ce moment-là ça devient l'autre assez. Par conséquent, si j'aurais écrit Ishamer ve Mitzvat Inouï, le Ishamer aurait été considéré comme un assez. Parce que Mitzvat Inouï, c'est Mitzvat assez d'être mitané. Donc le Ishamer aurait eu une connotation de Mitzvat assez, donc ça n'aurait pas servi en tant que Hazara. Matkif le Ravashi, Nirtov Altasur Mina Inouï. Voilà, un autre lave, tu peux marquer Altasur Mina Inouï, ne t'éloigne pas du Inouï, ça n'enlève pas le Inouï. Alors Inachenami Kashia. Effectivement, on aurait pu marquer de cette façon-là. Tana maite le macha. Maintenant, il y a un autre Tana qui lui l'amène d'ici d'où la Hazara qu'on connaît. Il y a marqué venitem et nafshotechem. D'un côté, c'est marqué qu'on doit un petit peu souffrir.
marqué avec kol melacha lo ta'asu, et qu'on n'a pas d'un autre côté à marquer interdiction de faire des travaux. Yachol ye anush al tosefet melacha. Est-ce que c'est possible que si maintenant je fais ban tosefet yom kippur, le osif michol al kodesh, donc pendant cette période que je suis michol al kodesh, que je fais une melacha, est-ce que c'est possible que je suis au chayav? Donc quelqu'un qui allume du feu, dont on a fait tosefet yom kippur, et il allumait du feu pendant cette tosefet là, peut-être il va dire qu'il est chayav. Donc yachol ye anush al tosefet melacha, talmud omar. C'est pour ça qu'il y a le passage qui nous dit « Mais quand la nefesh asher lo ta'ase melacha be'etzem ayom azeh » qui veut dire le mot « be'etzem ayom azeh » d'Afka pendant le jour en question. Donc « alitsumo shel yom anosh karet » quand est-ce que tu es mechayav karet d'Afka sur le jour lui-même « itsumo shel yom » « veino no karet veino anosh karet al tosefet melacha » et tu pas anosh karet sur ce que tu es fait une melacha dans le tosefet du chol à la kodesh que tu as fait. « Yachol lo yé anosh karet al tosefet melacha » Peut-être, alors, ok, il n'y a pas de anosh karet dans le tosefet melacha que j'ai fait. Aval, allié anosh karet al tosefet inouï, puisque je suis mekabel le inouï l'ifne azman, donc je suis mekabel michol à la kodesh, donc je suis mekabel yom kippour avant. Dès que j'étais mekabel yom kippour avant et j'ai quand même bu, est-ce que je suis chayav karet? Puisque boire et manger, c'est chayav karet. Donc dans le tosefet inouï, est-ce que je suis chayav karet ou pas? Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a un autre pasouk qui dit, וכל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה. Donc de nouveau בעצם היום הזה, c'est דווקא sur יום הזה ונחתה על עיצומו של יום אנוש קראת. דווקא sur le עצם du jour, הנה חייב קראת, ואינו חיינו אנוש קראת על תוספת עינוי. Ok, donc תוספת עינוי, y'a pas de punition. Y'a un איסור, mais y'a pas de punition. יכול לא יהיה בכלל עונש, אבל יהיה מוזר על תוספת מלאכה. Peut-être que tu vas me dire que la punition, y'a pas... Avalié Mouzar, il y a un azara de ne pas faire de melachot dans Tosefet Yom Kippur. Talmud Omar, Vekol Melacha, un autre verset encore, un troisième verset. Lo Vekol Melacha lo ta'asu be'etzem hayom azeh. Et tu vois ce qu'il y a marqué be'etzem hayom azeh. Il dit, Soumo shel yom, ou Mouzar, je suis averti. Venu Mouzar al Tosefet Melacha, il n'y a pas donc de lave si quelqu'un il a fait une melacha dans Tosefet Yom Kippur. Yachol lo yé Mouzar al Tosefet Melacha. Ok, sur Tosefet Melacha, il n'y a pas de hazara. Mais aval yé mouzar al Tosefet Inouï, que si maintenant il y a quand même un lab sur Tosefet Inouï, pendant cette période-là, c'est quelqu'un qui a mangé, védinou. Et dans le Chorot, il va faire un kalvachomer. Ouma Melacha, shenoeged, beshabbatot, beyom tov, et no mouzar aléa. Si déjà la Melacha, elle est noeged, l'âme d'Afka, beyom kippour. Là, il nous regrette même pendant Shabbat et même pendant Yom Tov, et quand même, et non, Mouzaraléa, il n'y a pas de hazara, il n'y a pas de lave là-dessus. Si tu as fait une melacha dans la Tosefet Yom Kippur, inouï, shenon, noeg, beshabbatot, beyom tov, inouï qui ne s'applique pas pendant les jours de fête, ni pendant Shabbat, il n'y a pas ce din de inouï, et non, din, shelo, yemouzar, donc à plus forte raison, tu devrais dire qu'il n'y a pas de hazara. Ça veut dire qu'il y a un tzad, que melacha, il est plus ramour que le yun, que le inouï, parce que la melacha, c'est interdit, je le retrouve dans Shabbat. Comme je le retrouve dans Shabbat, donc il est plus chamour, a priori, que le inouï. Et si dans melacha, il n'y a pas de tosef, il n'y a pas de hazara, dans tosefet melacha, il n'y a pas non plus de hazara, kalva chomer, il n'y a pas de hazara non plus, dans tosefet inouï. D'accord? La Gemara lui répond sur ça. Aval hazara, le inouï, shelo yé mouzar alav. Aval hazara, le inouï, shel yom atzmo, l'olamanu. Il dit ok. Donc on est d'accord que pour la Tosefet, il n'y a ni de Hindu, ni de Anisha, ni de Hazara, aussi bien pour la Melacha que pour le Inoum. Mais sauf, Hazara, le Inoum, chez Yom Atzmo. Alors maintenant, que pendant Yom Kippour lui-même, qu'il y a Karet, où on apprend la Hazara, où on apprend le Lav qui nous interdit, qui est dans l'avertissement, pendant Yom Kippour lui-même, donc Hazara, le Inoum, chez Yom Atzmo. Alors maintenant, Minaïn, d'où on apprend, lo yamer anosh ve melacha, de gamar minu, lo yamer onesh ve melacha. On aurait pu ne pas écrire la onesh dans les sources de melacha, de gamar minu. Et on aurait pu apprendre ça de inu. Ça veut dire nous interdire de travailler pendant Yom Kippour, ou punir celui qui travaille pendant Yom Kippour. J'aurais pu l'apprendre ça de inu. J'aurais fait un kalvachomer de inu. Comment j'aurais fait un kalvachomer de inu? Ma inouï sheno noeg be Shabbatot be Yom Tov. C'est le inouï qui n'existe pas pendant Shabbat et Yom Tov. Et pourtant, anush karet,
Si quelqu'un il ne fait pas de inouï pendant Yom Kippour, il a chayav karet. Melacha shenoeged b'shabbat b'yom dimim tovim. La melacha qui existe pendant Shabbat, c'est-à-dire quoi? Qui a aussi un issur melacha pendant Shabbat et Yom Tov. Lo kol sheken, pas à plus forte raison qu'on va dire qu'il y a un anush karet. Et si à plus forte raison qu'il y a un anush, alors à ce moment-là, je libère le pasuk. Lo ta'asu kol melacha chayav karet. Anush yanesh, quoi. Je libère le pasuk de melacha. Et dès que je libère le pasuk melacha, kosheken, lamanema. Alors pourquoi il est écrit, puisque je peux l'apprendre kalvachomer de inouï, la punition de asiyat melacha. Et là, moufne le akish. Et là, tu le libères pour faire un ekesh. Et si je libère pour faire un ekesh, et je dis que dans melacha, il y a une azara, alors même dans le inouï, il y aura une azara, midin ekesh. D'accord? Veladun mimeno gzera shava. Et on fera donc de là une gzera shava. Comment ça? Dès que je libère dans Melacha le pasouk de Anosh Karet, donc quand il est libre, je peux l'utiliser pour faire un Ekesh avec Inouï. Comment je fais le Ekesh? Neemar Onesh be Inouï. C'est marqué le mot Onesh dans le cas de Inouï. Ve Neemar Onesh be Melacha. Mais c'est marqué le din de Onesh dans le cas de Melacha. Ma Melacha lo Anosh elaim kenizir. De la même façon qu'une Melacha, je ne peux punir qu'à partir du moment où j'ai mis un avertissement. D'accord? Donc, il y a un verset d'avertissement. Afinouï, le anouche, elle a imkenizir. Même le inouï, a priori, je dirais qu'il n'y a pas de punition s'il n'y a pas de hazara avant. Donc, l'hazara, on l'apprend par un ekesh, par une zerachava de melacha, puisque le pasouk de melacha, il est libre. Maintenant, il kalimifra. Il dit non, je peux réfuter ça. Parce que, en vérité, c'est un ekesh dont il y a un seul endroit qui est moufné. Que le pasouk de melacha, il est moufné. Le pasouk de Inouï, il n'y a pas marqué qu'il est moufné. Il n'est pas moufné Mishnah Zadim, d'accord? Donc, comme il n'est pas moufné à Mishnah Zadim, je peux dire que je peux être pourer. Et comment? Ma le Inouï, shelo hutar miklalo. Si déjà le Inouï, il est interdit pour tout le monde, il n'y a personne qui a le droit de manger pendant Yom Kippour. Lo hutar miklalo, il n'y a pas un cas de figure où on te dit, à part un cas de pikuach nefesh, bien entendu, où on te dit que tu n'as pas besoin, toi, tu n'es pas tour d'être mitané. Tomar be melacha, shoutra miklala. Par contre, dans les souris melacha, il y a des choses qui sont permises pendant Yom Kippour. Par exemple, tous les korbanot qu'on fait pendant Yom Kippour, on a le droit de les faire pendant dans le Beit HaMikdash. Et pourtant, ce sont des issourés melacha. Donc le issour melacha n'est pas un issour melacha absolu. C'est un issour melacha en dehors du Beit HaMikdash, mais qui est permis, ces melachot-là sont permis dans le Beit HaMikdash. Par conséquent, il y a le inouï, il est plus chamour que le issour melacha. Parce que le inouï, il est standard pour tout le monde. Alors que le issur melacha, ça va dépendre dans quel endroit tu te trouves. Alors à ce moment-là, je peux dire que le inouï, il est plus chameau que le issur melacha. Et s'il est plus chameau, je peux peut-être être soter le ekel, la gzera shava que tu as voulu faire. Et là, lo yama onesh beinouï. Alors tu sais quoi? On n'a qu'à dire à l'envers. Dans le mot onesh, on n'avait pas besoin de l'écrire dans le inouï. Dans le inouï, je ne mets pas le dire de carré. C'est-à-dire, s'il y a marqué, il devient un pasou qu'il est en plus. Et comment j'apprendrai qu'il est chayav karet aussi pour quelqu'un qui ne mangerait pendant Yom Kippour, je l'apprendrai de Gmar Melacha. Ma Melacha Sheutra Miklala. Si déjà Melacha que j'ai dans le Beit HaMikdash, j'ai le droit de le faire, il y a des exceptions. Anosh Karet, quand même la punition elle est karet. Inouï, Sheloutra Miklala. Inouï, qu'il n'est pas permis. Il n'y a pas de cas de figure, pas d'exception. Donc il est plus ramour. Lokol Sheken. Loko Sheken, pas plus forte raison que je devais dire qu'il est Hayat Karet. D'accord, l'ema, alors l'amanema, alors pourquoi il est écrit? Moufne, il est libre. Il sera libre, pourquoi? Le faire les akish, pour faire un ekesh. Et de dire, veladun, mimena gzera shava. Et de faire un ekesh entre inouï et melacha. Nomar inouche be inouï. Venoimar anosh be karet. C'est marqué onesh dans inouï qu'il est moufne, qu'il est libre. D'accord? Et c'est marqué onesh dans melacha qu'il n'est pas libre. D'accord? Uma melacha onesh veizir. Comme dans melacha il y a une punition, il y a une azara aussi. Afinouy onesh veizir. Moi il dit non. De nouveau, ce ekesh là, c'est gzera shava plutôt. Je peux être borechota. Pourquoi? Pour la même raison qu'on avait dit auparavant. Ikal mifrach. Comment on peut la réfuter? Pas un kal vachomer à l'envers. Enfin, une chumra qu'il y a dans melacha qu'il n'y a pas dans inouy. Quelle est la chumra? Ma melacha shechen noeged beshabbatot beyamim tovim. L'interdiction de travailler pendant Yom Kippour est le même qui existe aussi dans Shabbat et Yom Tov.
Donc c'est un interdit beaucoup plus général puisqu'il existe même pendant le Shabbat et Yom Tov. Yomim Tovim. Tomar Beinoui, Shelo Noged Be Shabbatot Be Yomim Tovim. Par contre, Inoui, il n'est pas Noeg ni dans Shabbat et Yom Tov. Il est Noeg que pendant Yom Kippour lui-même. Donc peut-être la Melacha, elle est plus Chamoura que le Inoui. Donc je ne peux pas obliger, je ne suis pas obligé de faire le Hekesh entre Melacha et le Inoui. Donc à partir de maintenant, on n'a toujours pas de Azara pour le Inoui. On apprend Azara du Inoui. Ama Rabina, le Rabina il te propose un autre Zera Shabbat. Haïtana, Etzem, Etzem, Gama. Il prend de deux autres mots, Etzem, Etzem, Gama. Moufne, qui est libre. Des ilo moufne, parce que s'ils n'auraient pas libres les deux, et qu'à les mifrars, que des parchinan, on aurait pu réfuter, comme on a réfuté auparavant, de dire que Melacha, dans les deux cas, il y a marqué Be'etzem ayomaze, Be'etzem ayomaze, comme il y a marqué dans le cas Be'etzem, Be'etzem ayomaze, alors à ce moment-là, il n'a rien à mis, et il faut dire qu'ils sont mouflim les deux, comme ça, il n'y a pas de stira, que des parchinan. Les i, et les i, afnouye moufne. Et c'est Be'emet, Bemet, il est moufné. Quoi, ils sont libres. Pourquoi hein? Parce que Chamisha Krae Ktive Bemelacha. Cinq psukim sont écrits dans le Issou Melacha. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on avait ramené plusieurs fois. Donc, Chamisha qui est Chamisha dans Issou Melacha. Et comme il y en a cinq psukim dans Issou Melacha, il ne les ramène pas ici les cinq, mais par rapport à ce qu'on a déjà vu auparavant, il nous dit Rashi, Arba Lavin, quatre qui sont des Lavin. Regardez Rashi, Chad Karet, Beacharemot, ou Beperek Chad Asor. Vechad leon vechad et un pour le hekesh. Donc, on va voir tout de suite là maintenant. Donc, chamisha krae ktive bemelacha. Chad le azara. Un pour m'avertir, yemama, que pendant le jour, tu n'as pas le droit de manger. Enfin, pas le droit de faire des melachot plus précisément. Chad le azara de laïla. Un pour un avertissement que tu n'as pas le droit de faire des travaux la nuit. Pas pour le tosefet melacha. Hein. Tosefet shaot, ça on a déjà dit qu'il n'y a pas de azara. Chad le onesh de yemama. Un pour nous dire la punition qu'il y a dans celui qui fera une melacha pendant Yom Kippour, vechad leonej leilia, et un pour nous apprendre le issur melacha pendant la nuit, vechad leafnouye, et un pour le rendre libre. Il est libre pour qu'on puisse apprendre de lui. Le migmar inouy me melacha, ben beimama, ben de leilia, pour nous apprendre que le inouy existe aussi bien le jour que la nuit. Et donc, s'il existe même le jour que la nuit, à partir du moment où on apprend Inouï de Melacha, alors le Hazara qu'on a déjà dit dans Melacha, il va aussi s'associer pour le. Pas associer, s'appliquer sur le dîme de Inouï. Debé Rabbi Ishmael Tana. Par contre, Rabbi Ishmael, il dit non, moi j'apprends mieux, je ne m'apprends pas du Etzem Etzem Azé, moi j'apprends d'une autre manière. Debé Rabbi Ishmael Tana. Ne Markan Inouï. C'est marqué ici Inouï dans Yom Kippour. Venemar le halan inouï, et c'est marqué dans le cas de la Isha Kelene Neset. Il y a marqué là-bas inouï aussi. Ma le halan loanesh elaim kenizir, comme là-bas dans le cas d'une femme qui est violée. Il y a, on ne punit que lorsqu'on est mazir avant. Aka loanesh elaim kenizir. Là aussi dans Yom Kippour, on ne pourra punir que s'il y a une azara auparavant. Ça, c'est la svara de Rabbi Ishmael. Ravacha bar Yaakov amar yalib Shabbat Shabbaton mi Shabbat Bereshit. Non, on peut apprendre Shabbat Shabbaton de Shabbat Bereshit. Ça veut dire qu'il y a marqué Shabbat Shabbaton de Yom Kippour, d'accord? Et ça, ce Shabbat Shabbaton, on l'apprend de Bereshit, du Shabbat de Bereshit. Et quand mal halan, comme dans le Shabbat de Bereshit, lo anush elaim kenizir, il y a une punition que si on ne peut avertir qu'auparavant. Arkan, là aussi pour Yom Kippour, lo anush elaim kenizir. À cause de Shabbat, Shabbaton, on fait le Hekesh avec Shabbat Bereshit. Shabbat, Shabbaton, le Hekesh avec Shabbat Bereshit. Alors, elaim kenizir. Rafa Parma, par contre, Rafa Parma, il vient, il te dit, ha goufe Shabbat ikre. Mais j'ai pas besoin de faire un Hekesh entre Shabbat Bereshit et Yom Kippour. Du fait que dans Yom Kippour, il y a marqué, dirtif, tishbetu Shabbatechem. Le fait qu'il y a marqué dans Yom Kippour Tishbetu Shabbatechem, donc ça veut dire que je l'appelle Shabbat Yom Kippour. Comme je l'appelle Shabbat Yom Kippour, comme dans alors à ce moment-là, c'est un dîme de Shabbat normal. Et comme c'est un dîme de Shabbat normal, sans faire de Hekesh, d'accord? Je dis que Inachenami, il y a une Azara, comme dans Shabbat il y a une Azara, alors dans Yom Kippour aussi il y a une Azara. Alors que Maïdi, Bishlama, Rafapa, le Amar, Kerav, Acha. Que Rafapa, il préfère d'apprendre du Pasuk? Et pas d'apprendre comme Rabacha qui veut faire un Hekesh
On avait dit qu'il veut faire un Ekech de Shabbat, Shabbato. Il dit, j'apprends ça du Passouk lui-même. Maïtama, Lohamar, attends une seconde, Bishlama, Dirti, Begoufé, Adif, parce que quand c'est écrit dans le Passouk lui-même, c'est préférable. Si j'apprends du mot Shabbat, Tishbetu Shabbatechem, et du Passouk lui-même, je comprends que ça inclut Yom Kippour, je préfère un Passouk qui parle mamage de ça, qu'être obligé d'utiliser un Gzarachava ou un Limoud d'un autre endroit pour arriver à la même conclusion. Donc, dirtib dekra, dirtib begoufé, adif, c'est préférable. Et là, les Ravacha bar Yaakov, par contre, pour Ravacha bar Yaakov, maïtama lo amar ke rafapa, pourquoi lui, il ne veut pas apprendre directement du pasouk, mais rafapa, mi bayele l'echdetania, parce qu'il en a besoin de Shabbat shishbetu, Shabbat echem, pour un autre enseignement, l'echdetania, comme c'est marqué dans une braïta. Quel autre enseignement? Il y a marqué « Venitem et nafshotechem betisha la chodesh » et vous devrez souffrir, excusez-moi le terme « venitem », on va traduire ça « souffrir », vous devrez souffrir, kavichol, le 9 du mois. « Yachol, yatril, veitane, batisha » Alors est-ce que ça voudrait dire que je dois commencer à jeûner le 9 et pas le 10? Dans le mot de l'Omar, « ba'ere » c'est ça qui a marqué le mot « ba'ere » il a marqué « iba'ere, yachol, mishetechshar » Alors si c'est à la nuit, alors à ce moment-là, peut-être c'est à la tombée de la nuit d'Afka. D'accord, donc à Tset Kochavim, la Shkia porte tout le monde un Safek. Aval Tset à Kochavim qu'il faut commencer le jeûne. Talmud Omar, Batisha. C'est pour ça qu'il y a marqué Batisha. Donc ça voudrait dire que je dois commencer le 9. À Ketsa, comment ça marche? Matril Batisha, je commence le 9. Ou Mitane mi Beodium, donc je commence à jeûner pendant qu'il fait encore jour. Mikan, chez Mosifim, Michol à la Kodesh. De là, on apprend du fait que il marquait ou Batisha Veitane. Comment c'est marqué? Benitem et nafshotechem betisha la chodesh. De là, on apprend qu'il faut faire une tosefet pendant, le 9 avant Yom Kippour de rajouter et l'interdit. Eli ela beknisato. J'apprends d'ici qu'il faut faire une tosefet avant que Yom Kippour y rentre. D'accord? Beyetiato minayin. Pendant qu'on fait sortir Yom Kippour, peut-être il faut faire sortir Yom Kippour plus tard. Minayin. Hein? Même s'il faut manger. Tout même, mais tu sais, 30 secondes, ça s'appelle une tosefet. Hein? Une minute, ça s'appelle une tosefet. Il n'y a pas obligé de rajouter des heures de tosefot. Hein? Ça suffit. Talmud Omar, mi ba'erev, ad erev, de la nuit jusqu'à la nuit. En ela yom kippour. On a d'ici le din de yom kippour. À ce moment-là, Shabbatot, il faut y en autre dire ça, hein? Pas yom yotovim. Shabbatot minayin. D'où on apprend que dans Shabbat aussi, il faut faire une tosefet, de faire entrer Shabbat plus tôt et faire sortir Shabbat plus tard. Tadnomar, Tashbitu. Voilà le pasouk qu'avait utilisé Rav Papa. De là-bas, il apprend Tashbitu, de ce pasouk-là. Eni, et la Shabbatot, pour changer la guirsa. Zé là-bas, la Shabbatot. Yamim Tovim, que je dois faire aussi une tosefet, d'où on l'apprend. Minayin, Tamudomar, Shabbatechem. Tishbitu, Shabbatechem. Shabbatechem au pluriel, pour inclure aussi Yom Tov. Donc ça voudrait dire qu'il y a deux cas. Et Yom Kippour, il y a une dîme de Tosefet, et Shabbat et Yom Tov, il y a une dîme de Tosafot au début et à la fin. Haketzad, donc Haketzad, Kol Makom Shenemar Shevut, Mosifi Michol HaKodesh. Donc chaque fois qu'il y aura le mot Shevut, c'est là il faut apprendre de là qu'on est Mosif Michol HaKodesh. Donc c'est pour cela que Kavichol, lui, il n'apprend pas comme Rav Papa. Et il utilise le pasouk pour autre chose. La Gemara ne rentre pas. Alors, et Rav Papa, d'où il va apprendre qu'il faut faire Tosefet pour Shabbat et Yom Tov? Ça, Rav Papa ne. La Gemara ne rentre pas dans ça. D'accord? Peut-être même il peut apprendre toujours Tishbetu, Shabbat Echem. Mais en tout cas, il ne rentre pas là-dessus. Vetana, et le Tana qui dit de Etzem Etzem, le Tana qu'on a pris auparavant, qu'il apprend de la Gizara Shabbat, Etzem Etzem, qui a un din de Tosefet. Pas un din de Tosefet, il y a un din de Kavichol. De Hazara, du mot Etzem Etzem, d'accord? D'où il apprend Etzem entre la Melacha et Etzem entre la Melacha et Etzem avec le Inoul. Donc qu'est-ce qu'il en fait avec Etzem? Ve'aitana, betana de Etzem Etzem. Hay betisha la chodesh mayavidle. Le mot tisha la chodesh, qu'est-ce qu'il en fait avec? Betisha la chodesh, qu'est-ce qu'il a? Comment il explique le pasouk? Parce que de Etzem Etzem, il apprend déjà Etzem ayomazek que tous les interdits c'est d'Afka pendant Yom Kippour lui-même. C'est simplement grâce au Ekech, on apprend qu'il y a aussi une Hazara avant. Maintenant, d'où il apprend lui qu'il faut faire une Tosefet Yom Kippour? Qu'il y a un dîme de Tosefet Yom Kippour. D'où il apprend ça? Hein? Maya Bidle.
D'où il apprend. Alors, est-ce que Betisha la Chodesh Mayavid Le, mais Bayele, l'Echdetane de Rabbi Bichia, Bar Rav Midiftil. On a besoin, comme a dit Rabbi Bichia, Bar Rav Midiftil. Détane. Chia Bar Rav Midiftil. Rabbi Bichia, Bar Rav Midiftil, il apprend la chose suivante. Venitem et Nabshotechem Betisha la Chodesh. Qui veut dire Betisha Mitanin. Est-ce que Bichlal, on est Mitané le 9? On n'a jamais vu qu'on est Mitané le 9. Mitanim, Aloba Asor Mitanim. On est Mitané le 10. Et là, l'Omar Lecha. Tout celui qui mange le 9e jour et qui boit le 9e jour, donc il est fait Tosefet Seouda le 9 Tishré, on le considère comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Donc il y a deux façons de comprendre, d'accord? Ou on prend Tisha la Chodesh pour m'apprendre qu'il y a une Tosefet à rajouter, ou on prend Tisha la Chodesh pour m'apprendre que celui qui mangera pendant Yom Kippour, pendant le 9e, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Ok. Dans ce cas-là, on a résolu le problème. Maintenant, la Gemara, elle revient sur le dîme qu'on a dit avant. Ochel, ochalim, shen, raoui, la achila. S'il a mangé des nourritures qui ne sont pas mangeables. D'accord? Amar Rabba, kas, pilpele. S'il a mangé des poivrons, ou plutôt même du piment piquant, mais s'il a mangé des poivrons, ou ça peut être aussi du poivre. Ça dépend comment on voit les choses, parce qu'on va voir qu'il y a une différence s'il est humide ou s'il est sec. Donc je crois que c'est plus qu'on parle des poivrons ici. Donc, kas pilpele, beyoma de kippouré, le jour de Yom Kippour, pas tout. Pourquoi? Parce que ce n'était pas quelque chose ils avaient l'habitude de manger. Kas zingevila, s'il a mangé du gingembre, beyoma de kippouré, pas tout. Mais tire, comment tu peux me dire que c'est pas tout? C'est que tu ne le considères pas ça comme de la nourriture. Ah, et pourtant, aya Rabbi Meir Omer. Pourtant, Rabbi Meir disait, « Mimashma shenemar v'araltem oralato et pirio » du fait que le pasuk nous dit, « V'araltem oralato et pirio » qu'il faudrait faire une orla, c'est-à-dire que kaviachol, le mot orla de pirio. Alors, il y a un mot en plus. « V'araltem oralato et pirio » c'est en plus, parce que la orla, ça part du fruit. Donc, je n'ai pas besoin de dire « V'araltem oralato »,« V'araltem oralato », ça suffit. Quoi « et pirio » Le mot « et pirio », il est en plus. Et la « eni yodea she'etzma halou » est-ce que je ne sais pas qu'on parle d'un arbre qui est mangeable? Mais madame, je sais que c'est un arbre qui est mangeable. Pourquoi j'ai besoin d'écrire le mot pirio? Et là, matamulomar etzma. Et là, qu'est-ce que j'apprends ici? Etzma chal, c'est un arbre qui est mangeable. Et shetaam etzo au pirio chave. C'est un arbre que le fruit et le bois ont le même goût. Habituellement, on dit que c'est un étrog. Mais là, lui, d'après Rav Meir, ça parle de pilpelim. Le pilpelim, le bois et le pilpel ont le même goût. Ce pirio veetso, chave, ave, omer, ze pilpelim. Ça vient nous apprendre le dîme de pilpel. L'élam de chacha pilpelim, chayavim be orla. Et de là, on comprend que le pilpel, il est chayav be orla. Et ven Israël, chassera kloum. Et que baou chacham eret Israël, tous les légumes que tu veux, tu peux les trouver en eret Israël. C'est Neymar, comme c'est marqué, l'oter sarba. Rien te manquera. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que d'après Rabbi Meir, le pilpel, c'est mangeable. Puisqu'il considère que ça s'appelle prix, d'accord, et c'est chayav ve'orla. Donc le pilpel, il est mangeable. Si le pilpel, il est mangeable, donc à Yom Kippour, quelqu'un qui a mangé du pilpel, il est chayav. Comment tu m'as dit auparavant que casse pilpelim, tu es pas tout. C'est-à-dire tu ne considères pas que c'est une nourriture. Tu vois d'après Rabbi Meir que casse s'appelle une nourriture. Réponse, ha beretiva, ha beyabeshta. Ça dépend, est-ce que c'est sec ou c'est frais, humide. Quand, tant que le pilpel, il est frais, alors à ce moment-là, il est mangeable. Si le pulpel il a séché, donc ça devient paprika. Du pulpel, du poivron séché, ça devient du paprika. Paprika, c'est un tavlin, donc c'est une épice. À ce moment-là, ça devient plus mangeable. Donc celui qui a mangé de la paprika à Yom Kippour, il est pas tout. Celui qui a mangé du pulpel frais à Yom Kippour, il est chaya. Amar le rabbina le amima. Le rabbina, il a dit à le marima, veha amar av nachman. Et voici pourtant Rav Nachman, il a dit Hai Hamilta, Deate Mibe Hundia. C'est Hamilta, c'est un plat qui vient de Hundia. Hundia, c'est un qui dit que c'est Kush. Ça veut dire l'Inde, et ça veut dire la Kush, ça peut donner l'Éthiopie, d'accord? Sharia, c'est mangeable, ou Mevarchin, Ale, Bore, Peri, Adama. Et on est Mevarer dessus, Bore, Peri, Adama. Et a priori, chez Himiliatala, il doit théoriquement avoir un petit peu de gingembre à l'intérieur. Et pourtant, tu considères qu'on a dit que le gingembre, tu n'es pas Khayab. Et là, on voit qu'au contraire, il y a marqué Sharia, tu fais une bracha dessus. Si je fais une bracha dessus, donc ça s'appelle Bori Predama, donc ça s'appelle mangeable. Lokashia, haberetifta, habeyabeshta. De nouveau, la même réponse. Est-ce qu'il est frais ou est-ce qu'il est sec? Sec, ça s'appelle pas mangeable. Quand il est frais, ça s'appelle mangeable. Dechagav,
D'après cette Gemara-là, un pilpel, c'est un arbre. D'accord ? D'après Rabbi Meir, pilpel, c'est un arbre. Si c'est un arbre, il y a un problème de orla dessus. D'accord ? Donc, c'est manien de. Alors que des pilpelim, je n'ai pas vu qu'ils repoussent 3 ans, 4 ans en février près d'Ama sur un pilpel. Que là, les Chahora, d'après Rabbi Meir, ils le considèrent ça comme un arbre. Talou Rabbanan. Achal ale kanim. S'il a mangé des feuilles de roseau. Kanim, j'en vais dire que c'est un roseau. Hein. Pato. Loulave gefanim. S'il a mangé des petits raisins qui viennent de pousser. Chayav. Elohem loulave gefanim. Et qu'est-ce que sont les loulave gefanim? Amar Rabbi Yitzhak, migaldlaa, de la ville de Gadlaa. Kol shelivlevu mi Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Ceux qui ont commencé à pousser depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Si tu les manges, tu es chayav. Et Rav Kana Amar, kol shloshim yom. Ça fait, s'ils sont dans les 30 jours qui sont commencés à pousser, ils s'appellent le lavlavé gefanim. Tanya kemate de Rabbi Yitzhak migadla. Et il y a une braïta a priori qui va d'après Rabbi Yitzhak migadla. Hein. Pourquoi? Qui dit, achal ale kanim pato. Le lavlavé gefanim chaya. Celui qui a mangé de ale kanim le pato parce que c'est pas de la nourriture. Par contre, le lavlavé gefanim, il est chaya. Velohen le lavlavé gefanim. Kosh et iblevo, mi Rosh Hashanah Yom Kippur. Si ils sont plus que Rosh Hashanah Yom Kippur, il ne devient plus mangeable parce qu'il devient dur ou il devient amer. Et là, à ce moment-là, tu es patour. Mais s'ils sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, inachenami, si tu l'as mangé, ça s'appelle de la nourriture parce qu'ils sont encore frais et ils sont mangeables. Shata tsir, au mouriash patour. On a vu qu'il a bu du jus de poisson, d'accord, du mouriash, il est patour. Ha chometz chayat. Donc s'ils ont bu du vinaigre, a priori, sur chayat. Matnetin mané, rebi. A priori, comme qui va cette Mishnah-là? Comme rebi. Et de Tanya, comme c'est marqué, Rebi Omer, Chomet, Messie Vetanefesh. Celui qui boit du vinaigre, ça le calme. Messie Vetanefesh, ça lui redonne un petit peu de Nachat. Darash Rav Gidal, Bar Menachia, Miberi. Et Rabbi Gidal, Bar Menachia, il a été Doresh, Miberi, Denrash, En Alacha, Kerebi. L'Alacha n'est pas comme Rebi. Donc ça veut dire que le Chomet, je suis pas tout. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Nafke koule alma ou mazgou bechatou. L'année prochaine, tout le monde a sorti du vinaigre, ils l'ont coupé avec l'eau et ils l'ont bu pendant Yom Kippour. Elle a dit, ah, si l'alakha n'est pas comme Révi, donc ça veut dire que le vinaigre, on a le droit de le boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bu du vinaigre. Ha, bechatou khala. Shama Rav Gidal veikpid. Rav Gidal, il a entendu ça, il s'est énervé. Amar, Emar, il a dit, Emar de Amré Anna, ce que je vous ai dit, diavad. Que si Bediavad, vous avez mangé du vinaigre, vous n'avez pas besoin d'amener une korban khatat. Vous n'avez pas dire que le khatrila, vous avez le droit de manger le khatrila, mi amre. Est-ce que le khatrila, je vous ai permis de boire du vinaigre? Ve emar de amre ana pourta, tout va. Et quand je vous ai dit, c'est dans ce l'afkan, lorsque vous buvez un petit peu de vinaigre, tout va, mi amre, quand vous buvez beaucoup de vinaigre, est-ce que j'ai parlé, moi, dans un cas pareil? Emar de amre ana chay. Et quand je vous ai dit, c'est l'afkan, lorsque le vinaigre, il est cru. Mazouk, mi amre, quand il est coupé avec l'eau, est-ce que moi, j'ai parlé d'un cas pareil? Et la Bevandaïque, tout de suite, ils essaient de trouver une coula. Dès qu'après une coula, ils élargissent la coula au maximum. C'est pour ça que malheureusement, des fois, il faut être mahmir. Pas parce que la khumra, elle a raison. C'est parce que si tu vas être mekel, les gens, ils vont aller beaucoup plus que ce que tu as été mitka.